patience de pouvoir enfin débloquer le premier skin pour faire ça en vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup qui se demandent, est-ce que cette saison on a des skins genre qu'il y a des évolutions après le level 100? Bah oui, vous le savez bien, à chaque fois il y en a. Mais cette fois-ci, c'est pas level 105 ni level 100, mais il faut être level 110 pour avoir la première custom. Donc la custom s'appelle Saphir. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez cette couleur? Après, on a une autre, deux autres couleurs qu'on aura à partir d'un certain level. Alors, déjà, on va vous montrer. Enfin, moi, je vais vous montrer. Je pourrais même, c'est peut-être certains youtubeurs que vous connaissez, mais eux, ils ont un peu triché. Ils ont acheté les 100 paniers dès le premier jour. Moi, je triche pas, je joue. C'est la différence entre moi et les joueurs riches. Voilà. Mais bref, même si j'ai débloqué un mois après le level 100, je m'en fiche. Moi, j'ai vraiment joué. Et je peux dire que j'ai tryhardé pour pouvoir atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, le niveau 110. Du coup, on a voulu la skin Reese. En vrai, elle est pas trop mal comme ça, à voir ce que ça donne en game. Donc je vais faire obtenir forcément pour voir ce que ça donne dans le salon. On va d'abord s'équiper après, mais d'abord on va regarder ça ensemble, les customs, etc. Et ensuite je mettrai dans le salon pour voir ce que ça donne. Du coup, pour voir les customs de tous les skins, parce que comme vous savez, chaque fois on a des customs, pour cette raison. Et il faut débloquer la première custom pour voir les premières aperçus. Donc je vous rappelle qu'il faut débloquer, pouvoir débloquer tout ça pour pouvoir faire des défis spécialement. Ça, je pense que vous le savez. Voilà, c'est les défis qu'on débloque et tout. Il y a tout un tas de choses. J'ai encore des trucs que j'ai pas encore débloqué. Genre là, par exemple, il faut faire des défis épiques pour pouvoir débloquer les customs. Ça, ça c'est plusieurs semaines. De toute façon, on a le temps. Ça, c'est toutes les semaines pour débloquer des choses. À chaque fois, vous avez des défis spéciaux pour les semaines. D'ailleurs, j'ai très hâte d'avoir celui-là. Peut-être qu'on aura d'ailleurs un skin version féminin de Midas. Franchement, c'est assez robotique. Elle est quand même badass. Hein. Franchement, si elle sort en skin, je pense que beaucoup, beaucoup de joueurs achèteront. Déjà, tout le monde a bien aimé le skin Midas. Alors, imagine le skin Midas en version meuf. Je pense que plein de joueurs l'achèteraient. Je pense que oui. Ce sera sûrement un skin à 1500 V-Bucks, voire 2000 si sortait en boutique, je pense. Du coup, on a également ce skin-là qu'on a aussi, mais ça, c'est plus tard. Donc ça, c'est pas là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous montre quand même pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Du coup, on va passer, du coup, là, le skin secret. Je vous rappelle qu'on n'est pas encore, on ne sait pas encore quel skin sera, même si j'ai une petite idée. Personnellement, je pense que c'est Johnny Jones. Le skin qu'on voit dans le trailer, etc. Je pense que c'est le skin secret. Peut-être que non, ça se trouve que non, mais pas du tout. Mais ce serait bien si c'est lui, dans un sens, même si c'est plus très secret, puisqu'on le sait déjà à peu près. Mais du coup, il y aura plein de récompenses, sûrement des planeurs, la pioche, un revêtement, l'émoticône, écran chargement, tout plein de conneries, avec également le skin. Donc là, je pense, ici, ce serait sûrement le skin, parce que c'est légendaire. Donc, tout ce qui est là, en légendaire, je pense que ce serait rapport au skin, soit la pioche, que ce soit le planeur, etc. Et certaines choses seraient, par exemple, là, par exemple, c'est possible que ce soit, du coup, la pioche, et les autres, du coup, tout ce qui est vert, ça va être les émoticônes, j'imagine. Un émoticône, écran chargement, etc. Ça, j'imagine plutôt un revêtement, parce que c'est une couleur bleue. Ça, c'est juste mon avis, hein. Ça se trouve, je suis pas du tout ça. Mais pour moi, c'est ça. Du coup, on va passer à la première custom. Déjà, on va passer à ça. Ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, le skin Reese, je vais le débloquer à l'instant. J'ai hâte de voir ce que ça donne quoi dans le salon. Mais d'abord, on va passer à elle. Donc là, il faut être niveau 110 pour la débloquer. D'accord. Donc, tous les 10 niveaux, vous avez une custom version Saphir, ça s'appelle. Ensuite, vous avez bien sûr le skin Katom, qu'il faut bien sûr être level 120. Vous avez compris, c'est tous les 10 niveaux, de toute façon. Donc en vrai, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça donne en skin comme ça, en jeu. Parce que là, il a l'air pas mal. Mais est-ce qu'en jeu, ça va donner bien? On verra. On a aussi cette custom-là, il faut être au niveau 130 pour la débloquer. En vrai, elle est pas mal, mais franchement, tout en saphir, tout en même couleur, ah, je sais pas si ça peut faire bien. On verra, hein, après tout, hein. On verra. On a du coup le petit skin. Lui par contre, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que déjà j'aime bien ce skin de base, donc on verra couleur saphir ce que ça peut donner en game. Donc à voir, franchement. Il faut être level du coup, attendez, hop là, il faut être level 140 pour le débloquer. Et pour débloquer en custom celui-ci, le skin menade en saphir. En vrai, saphir il est quand même assez stylé, je trouve. Il faut être au niveau 150, donc 40 niveaux. Je vois ce skin dans quelques semaines, je vous dirai ce que j'en penserai. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour vous montrer son aperçu dans le salon, avec une danse, etc. Je faisais ça à chaque fois et je pense que... Moi, personnellement, j'aime bien faire ces petites vidéos-là. Je sais pas si ça vous intéresse à chaque fois. Mais moi, j'aime bien la faire. C'est mon visage personnel. Après, si vous aimez ou vous aimez pas, ça, c'est à vous de voir. Moi, perso, j'aime bien faire une petite vidéo quand je débug un skin pour montrer la custom, à quoi ressemble,
Parce qu'il y a beaucoup qui aiment bien les voir dans le salon, à quoi ressemble la custom, et même certains en game. Bon, malheureusement, j'ai pas assez de collection, ma collection elle est pas très bonne en ce moment. Depuis quelques mois, à cause du confinement, il y avait plein de mauvaises collections. Enfin bref, ça fait que je peux pas faire de live, ni encore moins faire des vidéos gameplay, parce que je vais bugger beaucoup trop. Mais au moins, je vous montre au salon en quoi ça donne le skin. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça donne ce skin-là, la version grise, en version saphir, pour vous donner un petit aperçu. Donc, je vais dans le truc, hop, on va marquer grise. Donc là, je vous rappelle, c'est les custom qu'on débloque, en faisant les défis, bien sûr, de toutes les semaines. Là, celui-ci, il ressemble un petit peu, vous savez, les custom qu'on a, enfin, le skin, entre guillemets, visiteur, etc., les sets et tout. Je trouve que les couleurs, je pensais à ça. Ça, c'est les couleurs qu'on débloque, etc., en fin de mesure qu'on joue. Et ça, c'est la version saphir. Donc, je vais la mettre pour voir que ça donne quoi. Bon, en vrai, je sais pas. Saphir, les gars, vous validez, validez pas. Je sais pas. On va mettre ce sac à dos à elle. On va tout son ensemble, hein. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors, est-ce que ça donne comment son sac à dos? Ah, il n'y a pas de sac à dos en saphir. C'est un peu con, du coup. Bon, bah, du coup, il n'y aura pas de sac à dos. Je pensais qu'il y aura un sac à dos en saphir. C'est un peu débile, du coup. On a un sac à dos, mais on peut pas le mettre, du coup. Et bah, vu qu'il est... Je sais pas. Je vais mettre quoi comme sac à dos, moi? Je sais pas. J'ai pas de couleur bleue comme ça, moi. C'est vrai que c'est une couleur un peu particulière, le bleu. J'ai plein de sacs à dos, mais j'ai pas de bleu, genre le même bleu. Ah, si, ça peut le faire, ça. Ouf, ouais. Bon, c'est pas tellement le même bleu, hein, vraiment. Je sais pas. Ah, ça le fait. Vous pensez quoi? Bon, ça fait bizarre sur Riz, mais en vrai, ouais, ça fait mieux que rien. On va mettre ça pour l'instant. La pioche. On va mettre sa pioche à elle. Je pense qu'il n'y a pas de custom aussi, j'imagine. Ouais. C'est quoi, ils mettent des custom en plus, mais pas pour les pioches. Alors, je sais pas si on débloque après. J'avoue, je sais pas. Bon, tant pis, hein. Je vais laisser la pioche que j'ai là, hein. Et puis, c'est tout. Sinon, à la base, c'est le skin qui nous intéresse. Après, c'est les pioches, généralement, on joue à ce qu'on veut. Du coup, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez la version Safi? Est-ce que vous aimez bien les couleurs sur les skins? Moi, je vais essayer en game. Je vais vous dire ça tout à l'heure à la boutique quand j'en ferai tout à l'heure. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que je valide ou pas? Moi, je vais continuer à jouer parce que j'ai quelques défis à faire que je peux débloquer. J'ai débloqué plein de défis tout à l'heure. Celui-ci, j'ai débloqué tout à l'heure. Du coup, je vais en faire. J'ai quand même pas mal de défis à finir. Du coup, je suis en train de les faire. Du coup, dites-moi en commentaire quel est votre niveau, un level là-haut du pass de combat. Alors, bien sûr, si vous avez dit à tricher le drip, faites ceux qui jouent vraiment comme moi, par exemple, qui jouent non-stop et tout, qui montent vraiment et qui n'achètent pas de palier, rien du tout. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dû arrocher comme jamais, quoi. Vraiment. Bref, sur ce, je vous dis à ce soir pour la vidéo de boutique. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine.